un bilan très positif en termes de participation et de la nature des participants qui sont venus d'assez loin, puisque tous les territoires ont été représentés en tous les cas, puisque le territoire du LIFE est relativement grand, concerne les Alpes, les Préalpes, le Massif central et une partie des Pyrénées. Bon, c'est un premier séminaire d'échange, il y en aura deux autres dans le cadre du programme LIFE. Le prochain aura lieu en 2019 et puis le dernier, le séminaire final, qui reviendra sur d'autres aspects, dont une partie des thèmes traités sur les relations entre activités d'élevage et rapaces nécrophages. C'est un séminaire qui a réuni beaucoup de monde, donc ça c'est une superbe chose. Il a regroupé à la fois des gens de l'administration, différents experts qui travaillent sur le programme JPAET, alors non seulement des scientifiques mais également des opérateurs et quelques éleveurs, donc c'est une bonne chose, c'est un bon partage d'expériences et c'était l'objectif principal du séminaire qui traitait de l'écaillissage naturel, de l'importance de l'écaillissage naturel et des bénéfices croisés sur les territoires induits par la présence des vautours. Alors, les premières années du programme ont consisté à mettre en place toutes les actions préparatoires. Il nous reste donc encore 4 ans. Donc il y a plein de choses, notamment des opérations relativement importantes telles que les réintroductions, le confortement du réseau de placettes d'alimentation, d'écaillissage. Et toutes les actions de sensibilisation envers les différents publics, les éleveurs, les scolaires, les jeunes, le grand public et tous les publics en général, et la presse également.